Yes. Bien sûr. Bien entendu. Moi aussi, chez le... Allô. Non, on monte pas du gameplay, on manque pas du gameplay, j'ai pas envie de me faire, attention. Loin de moi l'idée de vouloir me faire spoiler. Donc, Forbidden Siren, oula. On dirait mon intro à moi. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Aïe. Attends. Je ferai mon intro après. Non, c'est Forbidden, pas Forgotten, Siren, Spider, espèce d'abruti. Réfléchis, Théodore, réfléchis. J'ai adoré Flower. Ah non, c'est pas Flower. Forbidden Siren. Forbidden Siren, but Poons and Adwim are dead. Oh putain. Oh la tuile, le dit. Bon, ouais, Forbidden Siren, on avait déjà fait Forbidden Siren 2 un petit peu avec Adwim et Poons, et on s'était un petit peu chié dessus. Et ah d'accord, donc on lance Suda 51, donc on joue Suda 51. Oh là là. Alors oui, attention. Attention. Oh la gueule, on dirait l'Indien dans la ville. Attends, chut. Faut qu'il parle. Qu'est-ce qu'elle fait? Yes. Doublage français, poteau. Oh, ce chien. Ah. Et donc, ok, d'accord. Et donc comme d'habitude, on peut choisir un petit peu son chapitre. Là, non. Évidemment, mais sinon, oui. Ah, la VF, je suis super content de l'avoir trouvé en VF. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma lampe? Il y a des problèmes d'électricité en quartier ou quoi? Si ça coupe d'un coup, c'est qu'il y a eu une coupure en quartier, mais ma lampe, elle commence à déconner, là. J'ai l'impression qu'elle va péter, en fait. Envahir la Chine. C'est elle. Oh. Qui est là? Qui est-ce? Ça a changé de où? Oh là 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 là, ah! Ching chong ling long! Oh là là, oh là là, oh là là! Freeze! Detrás de ti, imbécile! Puedes courir, pero no puedes esconder! Les doublages sont incroyables, je pense que les doublages vont être super cool. Ouais, alors par contre, ma lampe commence vraiment à me faire peur, mec! S'il y a quelqu'un, qu'il le dise tout de suite, hein! Eh! Y'a personne, hein! Non, c'est bon. C'est bon, y'a personne. Je pense qu'il y a personne, j'ai lancé une bouteille, sinon je sors rien. Ok. Échapper à l'officier de police, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Alors par contre, oh là là, ok. Donc on joue un personnage de Tony Hawk's Pro Skater 3 et faut échapper à un flic. C'est très 2019 comme truc, ok. Très bien. Alors j'ai juste fait le tout début, en fait je suis allé jusqu'à là, voilà. Là, à partir d'ici, je sais pas ce qu'il faut faire. Voyons voir. Déjà comment il marche le jeu. On a la carte ici et donc dans la carte on peut pas, on n'a pas d'indication. Donc on sait pas où nous on est, on a juste la carte du coin. Donc on sait où est la camionnette qu'on vient de croiser, on sait où est la remise préfabriquée et le début où on a spawn, mais on connaît pas le reste. Faut voir l'aide, c'est quoi. Ok, déplacer carte. Tourner carte à gauche, à droite, étage inférieur, nanani nanana. Non vérifié, non verrouillé, verrouillé, verrouillé par le joueur. D'accord, ok. Et là, on est là, très bien, ok. En tout cas, je suis fan de l'esthétique du jeu. Oula, ok. Attends, j'ai quoi comme touche? J'ai allumé, éteindre la lampe, très bien. J'ai A qui... Ah bah, A, ok, c'est pour activer les machins. L1 R1 ne servent à rien. R2 me sert à observer mon environnement de super près. Ça augmente le FOV d'environ 7 millions. Il se promène tel un cow-boy, le keuf. Ouais, j'ai l'impression un petit peu, ouais. C'est un des hommes de Castaner, ça. And who are you? The proud lord said that I must bow so low. Ok, on peut rentrer ici déjà.
Ok, ok, ok. Il y a des clés de voiture sur la table. Ok, d'accord. Donc, déjà, faut se barrer comme ça. Oh là là, ok. Ouh, ça a pas l'air pratique. Ouh, ça a pas l'air pratique. Donc, il faut appuyer sur triangle pour avoir un menu, un genre de menu, comment on dit, contextuel de trucs qu'on peut faire. Très bien. Ah. Eh bah, écoutez, ma lampe vient de péter. Non ? Je crois qu'elle est sur la fin. Allô ? Arrête ! Réagis ! Je crois que ma lampe est sur la fin et qu'elle va péter. C'était quoi comme ampoule ? Attends, fais voir. Je crois que c'est une. C'est une ampoule normale qui se visse. Ouais, non, c'est une. Je sais même pas si c'est une économie. Enfin, une économique ou quoi. C'est juste une ampoule qui se visse et tout. Des casiers contre le mur. Hein. Ouais, je veux bien, mais. Ok, crie. Je peux juste crier là ? Je peux pas me planquer dans un casier ? Ou en ouvrir un ? Lui là, je peux l'ouvrir, non ? Non ? Mais non ! C'est pas ça que je voulais faire ! Ok. Il y a un exemple. Le bulletin de. Merde, j'ai pas eu le temps de lire. Ok. Je suis trop stressé. Le planning de travaux de construction est affiché ici. Ok, très bien. Mais il rentre pas, le flic ? Bah, enfin, qui t'a fait. Attends. Non. Oh la vache! Oh, je l'ai mangé! Attends. Eh! Ah! D'accord, attends, je vais rallumer ma lumière parce que du coup je suis en mode full spooky là. Très bien, ok. Donc on commence. Ok. On commence sur quelque chose d'assez raide. Très bien, ok, ça va être fun, hein. Une ampoule de type ampoule, bah oui, plus ou moins. Bah attends, maintenant on va pouvoir rusher parce qu'on connaît le jeu par cœur là, ça y est. C'est un petit peu comme Curse of the Dead Gods, si on se l'est approprié. Oh là là! On se l'est approprié, on est désormais immortel. On rentre, on ramasse la clé, on se casse. Hop, regarde. Speedrun. Appelle-moi Dame. Encore une fois, Dame et oh. Ici, tac, on rentre du mauvais côté parce qu'on est français. Alors, faut faire ouvrir la portière. Oh là là. Non, c'est bon. C'est bon, y a pas des milliers d'actions à faire. Ok, ça va. Oh là 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 là. Ok. Ouais, non, go. La porte est ouverte, donc maintenant, il faut faire... Merde. Faut peut-être que j'aille du bon côté. Oh mec, ça prend 8 actions pour monter dans une bagnole. Non mais monte, Michel. La porte est fermée. Comment ça la porte est fermée? Il est con quoi. La voiture est bulletproof, mec, j'en ai aucune idée. Quelle voiture utilisée pour ouvrir la porte? Très bien. Ouais, fuck. Monte. Et maintenant tu montes. Voilà. C'est bien, Josuke. Tu montes à l'eau. Oula. Je fais quoi? Le contact se trouve sous le volant. Oh mec! Oh putain! Oh, il faut tout faire en fait! Oh la vache! Et maintenant on démarre! Oh putain, mec! C'est effrayant par contre! Tiens, mange ça! Ça, le suppôt du patronat, va! Elle est pas bulletproof! Ah bah non, j'ai failli m'en manger une dans la gueule! Ok, mission accomplie! Eh bah écoute! Ça allait, alors par contre, je comprends rien, c'est normal, y a pas de... C'est le premier celui-là, non? C'est le premier jeu? Il explique rien du tout, en fait, je vais me faire foutre, quoi. Ok, allez, c'est parti. Breaking news, Emmanuel Macron dément ses violences policières et affirme que cet officier de police ne fait que se défendre. Kyoya Suda. Hey, est-ce que ça va? Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Appeler les secours? Ou une ambulance? Oh, un tremblement de terre! Calme-toi, Yugi! Voilà! Oh, les visages de la Max Payne! Oh là là là, mec! Ah, son visage! Oh, c'est dégueu! Ouh, putain, j'aime pas! Ouh, j'ai pas aimé! Ouh là là! Ouh! La VF est claquée. Ah ouais, mais ne prenez pas compte du message qui s'est affiché en haut à droite. En haut à gauche, c'est rien, vous inquiétez pas. Ouh là là, j'ai pas aimé. Fun fact, des mecs de Silent Hill 1 ont bossé sur ce jeu. Ah bon? Ah, c'est marrant, parce que...
Ça se serait pas senti. Ok. Allez, Kyoya. En vrai, il s'appelle Souda, non, du coup. Kyoya, c'est son nom de famille. Hein? Allez, ce. Il n'y a plus rien. J'adore la VF, mec. Elle est géniale, la VF. T'es fou, quoi, toi. On est tombé sur la meilleure VF de l'histoire. C'est subtil. Ah bah ouais. Franchement, je m'en serais pas rendu compte. Tu viens de te connecter à moi, n'est-ce pas? Oula. Oula, allô? Mais... Tu as des visions? Calme-toi. Mais j'imagine que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je viens de me faire tirer dessus, mais... Je comprends, écoute. Tu dois venir avec moi. J'adore les visages, mec. C'est super, super marrant comme truc. Wow. Suis-moi. C'est... Oula, par contre, ouais, de côté, direct, on voit les limites du système. Elle est ventriloque. Il y a un mec qui a son bras dans son cul qui l'a fait parler de loin. Atteindre la route de Kaluwali avec Isako Yao. Ok. Hey, bah, Isako. Allez, c'est parti. Mais non, mais c'est magique, Hoffman. Il s'est pris une balle dans le cœur, mais était-ce une hallucination? Désormais dans tes veines, remplaçant tout le sang que tu as perdu. What? C'est tout. C'est quoi son visage? C'est quoi son... Pourquoi il morfe? Regarde, regarde. Regardez bien le visage de Yayoyo, là. Je suis soulagé. Ah, c'est super étrange, mec. Nous devons nous dépêcher. Il y a un genre d'interpolation entre les frames d'animation, c'est super bizarre, on dirait que leurs visages ils fondent. Attends, je peux pas avoir de sous-titres. Je vais voir, option. Vibration, on va pas en mettre parce que sinon ça va encore faire bugger le truc. Y a pas de sous-titres? Oh non, ça va être chiant par contre ça, non? Son 3D sorti, y a aucun sous-titre. Oh merde, alors là ça va être, ouais, ça va être chiant. Bon, on va faire ce qu'on peut pour comprendre alors les gars, hein. on va faire notre maximum. Réglage écran, ça on s'en fout, non? Ouais, c'est bon. Ok. C'est l'Hunter, ça, mec. Allez, c'est parti. Et trouve-moi dans tes pensées. Alors attends, comment ça marche? Parce que je sais pas comment ça marche, moi. Ils veulent pas me dire. C'est toi, tu vois. Hein? Oh la vache! Ouh! Oh, 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 bonjour, bonjour madame. Oh la vache. Oh. Attention, tu ne pourras pas te déplacer librement tout de suite. Regarde, tu vois l'interpolation qu'il y a entre les différentes frames. On voit son visage qui fait blblblbl. Ok, donc c'est maintenant qu'il nous file un truc. Pousse légèrement pour marcher et plus fort pour courir, bien entendu. Tu feras plus de bruit en courant qu'en marchant, bien sûr, bien entendu. Donc là on marche, mais il a une démarche un petit peu éclatée, il marche comme Gaben, il a la même démarche que Gaben. Mais je le comprends après le mec, hein. Il est japonais après tout. D'accord. Oui. C'est bizarre comme vidéo... Ça va? Est-ce que vous vous sentez bien devant un écran comme ça, les gars? Est-ce que ça vous va? Oula. Le mode vision peut être aussi utilisé pour écouter les conversations privées. Mettons en mode vision sur Isako et suit ses instructions. Bah oui, mais comment? C'est... Ok, et comment je fais pour... Oh! Ah! Oh! Elle est... Oh mais putain, c'est effrayant. Avec le joystick droit, j'ai rien. Ok, d'accord. Faut juste que je la trouve avec mon joystick gauche, en fait. Ok, attends, putain, c'est compliqué. Et je crois que tu peux les sauvegarder, c'est ça? Oula, non. Attends, comment ça marche, mec? Attends, je suis paumé, là. Le jeu, il explique que dalle, en plus, mec. Il est en train de me paumer, là. Et je pouvais pas, genre, store les... Ouh. Ok. C'est le jeu le plus chelou que j'ai jamais vu. Ah mais mec, carrément. Faut que je trouve Isako. Elle est où Isako là? Isako. Vous allez voir de la neige pendant des milliers d'années, les gars. Ah, non. Ça veut dire que j'ai sauvegardé ça?
Non, ça veut pas dire que j'ai sauvegardé. Et si je fais ça? Non, ça fait rien. Oh là là, mec, je comprends que dalle. Je comprends pas les touches. Je suis désolé, je fais ce que je peux, mais... Oh. Attends. Parce que tout à l'heure... Voilà, ça a fait un genre de toi, t'as fait de la neige, là. Qu'est-ce à dire? Faut bouger l'antenne. On a besoin d'avoir une vieille... Ok, elle est là-bas, Isako. Est-ce que tu penses que je peux la voir d'ici? Attends, j'entends un mec qui s'apprête à éjaculer. Ah! Non! Isako! Je me disais, attends, Isako, elle me voit pas de cet angle-là! Attends! Casse-toi! C'est bon, il s'est barré? Putain, mec, la vue en première personne, elle est catastrophique. T'es là? Ouais, il est là, mais tu peux te barrer? Isako? Je vais éteindre mon lampe torche, je suis sûr que ça va poser aucun problème. Attends, je la mets tout de suite. Putain, je capte rien, ça fait chier, on est dans un creux. Ah! Putain, il veut pas se barrer, attends. Je suis dans un creux, on capte que dalle, mais ah! Ah! Oui? Je suis parti, je pige rien, on dirait que t'essaies de capter Canal. Oui, il faut passer une passoire devant ses yeux pour voir Canal, il paraît. Et puis il t'a redevance. Ok. Et qu'est-ce que je peux faire à partir de cet écran-là, en fait? Je peux rien faire à partir de cet écran-là. Le problème, c'est qu'il va pas se barrer, l'autre enculé. Bah, tu sais quoi, je vais rejoindre ma copine. Bonjour. J'ai pas le temps, je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps. Attends. Attends, je vais juste courir en criant. Bouge pas, attends. Isako, à l'aide. Bonjour. On peut y aller? Ah, il fallait juste la rejoindre, en fait. Je sais pas pourquoi ils m'ont dit de me caler sur Isako. Je peux pas. Attends, fais pas ça, déconne pas, Michel. C'est vrai, le film de boule quand il y a de la neige. Et tout ira bien. Ne me fais pas me remarquer. S'accroupir. Ouais, ok, ça c'est bon, j'ai. Il est possible de se déplacer accroupi pour te relever à puissance. Ouais, ça c'est bon. Vas-y, on y va, Isako. Isako. Pourquoi l'océan s'est transformé en menstruation? C'est malin, ça. Ah, c'est malin, ça. Bravo. Bravo, Yeitsu, hein. Tadam, tadam, tadam. Oh, ah, ça y est, c'est bon. Trop nul. Ah. D'accord, ça c'est bon. Tu réduiras les risques de te faire repérer par les ennemis en éteignant la torche, très bien. Toutefois, tu perds ta précision quand tu utilises une arme à feu dans l'obscurité. D'accord. Attends, elle est partie où? J'ai peur tout seul. J'ai vraiment... Là, pour le coup, j'ai vraiment peur tout seul. Attends, Isako. Oh, c'est elle. Puis-je avoir de l'aide? On dirait une mamie, là. On dirait une vieille Kakoshime. Monte sur le toit et tourne-toi en face d'Isako, ok? Attention, si tu appuies trop sur le joystick analogique gauche, tu redescendras. D'accord. Appuie sur la touche triangle pour... Ok. Si compagnon est à distance... Oui, ça marche, je sais. Voilà. Benoît, tourne-toi. Ok, est-ce qu'elle est en face de moi, là? Ah, et du coup, maintenant, je peux directement revoir l'autre. D'accord, ok. Je peux... J'ai besoin d'aide. Allez, viens, gros cul, là, hop. Tac. Oh, la vache, elle est svelte, dis donc, pour une... je sais pas. Pour afficher les menus et les instructions détaillées. Ouais, ça, c'est bon, je sais. Et du coup, ça, ils me disent... Ils me disent rien en fait. Lien navigateur, voir le scénario. Ouais, donc ça, on verra plus tard pour les liens. Hein. Pas Benoît. T'as vu, mec? Ah, elle est svelte en fait, on dirait pas comme ça, mais elle est svelte. Elle pèse 3 kilos, toi aussi. Ah, bah, tu sais, les japonaises, elles font très attention à leur poids. Hein. En fait, tu soulèves la robe et elle n'est constituée que d'os. De plastique, elle est faite en tupperware. Mission accomplie. Eh bah, ça va, pour l'instant, ça va. Mais je sens que le jeu va être vraiment très compliqué. Et c'est Robobine du coup qu'on avait déjà raid hier qui m'avait dit de jouer à ce jeu là après du coup qu'on ait joué à Forbidden Siren 2, et apparemment celui-là est moins action, plus infiltration et plus horreur, et j'avoue que même elle m'a dit le jeu m'a fait péter les plombs, tu vois. Mais écoute, on l'a fait, les saloperies qui nous ont fait péter les plombs. Zone de Yadar, jour 1. Tamon Takuchi, oh il est trop cool lui, mec, on dirait Mike Brandt.
Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi. Je t'avais dit d'attendre dans la voiture. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cela arrive-t-il? C'est pour ça que je t'avais dit de ne pas bouger. Professeur, nous devons trouver les villageois. Ils doivent être paniqués. Toi, s'il te plaît. Eh, ça pique! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Non, aïe, aïe! Exactement ce que je te dis. Quoi? Garde les yeux fermés. Il ne bouge pas jusqu'à ce que je t'appelle. Tu as compris? Pourquoi garde les yeux fermés? C'est quoi cette idée à la con? Oh, il a un gun! Oh, il a un gun! Mec, c'est quoi ce gangster des années 70 par contre là? C'est une vraie arme? Je t'avais dit garder les yeux fermés, t'as perdu. Allez, on y va. Okay. Bah, tu l'avais dit de pas bouger il y a quelques secondes. Qu'est-ce qui c'est qui ce con là? Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi. Ils peuvent pas te voir si tu peux pas les voir. C'est Alone in the Dark. Non, c'est pas Alone in the Dark. J'ai essayé. Carte d'universitaire de Tamon Takeuchi a été ajoutée aux archives. D'accord, donc on est universitaire, d'accord. J'ai essayé de faire d'émuler Alone in the Dark. Et en fait, sur PS1, il y a des temps de chargement, tu sais, entre chaque endroit où tu te déplaces. Et ça m'avait cassé les couilles parce qu'en fait, ça bloque énormément. Enfin, c'est très très étrange. Et j'avais essayé du coup d'émuler sur PlayStation 2 pour voir s'il y avait moyen d'avoir des trucs plus souples, plus fluides. Et en fait, pas du tout. C'est aussi la merde. Donc peut-être que je vous le streamerai sur PS1, Alone in the Dark, The New Nightmare, mais pour l'instant, c'est pas tout de suite. Juste augmenter un petit peu le son de l'émulateur parce que j'ai l'impression que c'est pas très fort en fait. Je pense que ce jeu, il a le droit d'être fort. Rien que pour les doublages qui ont l'air. C'est un monde où personne ne paye sa redevance. Allez. Je vois une chose étrange. Fais voir. Est-ce que je peux voir ma copine? Non, alors ça c'est pas eux. Y a pas une touche pour voir directement les potes? Oh. Non, ça c'est pas la touche pour voir les potes, ça. Oula. Je peux tirer une baloche, tu penses? Fais voir, attends. Je peux pas y tirer une balle? Elle est où? Bouge pas. Chérie, bouge pas. Je suis désolé, je voulais pas. Je suis désolé. Je pensais pas que ça allait marcher. Je vous assure. Nom, Tamon, profession universitaire, spécialité beauté les culs. Please get on the ground now. Donc supposé me concentrer et écouter. Eh bien. Oh, oh, c'est quoi? Où ça? Qui ça? C'est quoi qui... Il y a un truc qui m'a vu, il m'a tiré dessus. Fonce. Non, fonce, machine. Attends. Mets-toi là, bouge pas. Hein. Oh putain, ça m'a terrifié. Il est où? Il est... Attends, regarde-moi un peu. Regarde-moi. Le mec le plus concentré du monde. On dirait... Tu sais, le gars dans Hypertension 2, celui qui a Tourette, mais de tout le corps. Attends, il y a un sniper dans le coin. Attends, c'est un avec un gun. Faut que je trouve un mec avec un gun. C'est lui, non? Je crois que c'est lui qui m'a niqué, là. Non, mais c'est elle. Mais attends, mais c'est qui alors qui m'a tiré dessus? Oh. Oh, ça peut pas être lui. Il est trop loin, lui. Non, c'est pas lui, c'est un autre. C'est un autre qui m'a tiré dessus. Attends, faut que je le trouve. Ah, c'est terrifiant, putain, de les entendre respirer comme ça, là. Faudrait qu'ils arrêtent de respirer, hein. Boss, get down. That's an enemy chopper. Aïe, je suis coincé dans des cailloux. Pourquoi on voit du rouge? Pourquoi on voit du rouge? C'est qui voit en rouge? Professeur. Ah, je suis son prof. D'accord, c'est pas du tout ma copine. Ah, mais il y a vraiment un sniper, en fait. Tu l'as vu? Bah non, je l'ai pas vu. Le mec, il est dans les arbres à moitié. Il y a vraiment un sniper en haut d'une tour. Ah bon? Je l'ai vu? D'où je l'ai vu? Attends, parce qu'il m'a dit aussi qu'il fallait que j'augmente la luminosité du jeu parce que sinon j'allais rien voir. Je vais peut-être faire ça tout de suite. C'est vrai qu'on voit pas grand chose pour l'instant.
Crank that shit. Réglage d'écran. Position d'écran, je m'en fous. Je vais surtout faire la luminosité, moi. Comment on fait? Voilà. Ah, c'est mieux, là. Ah, c'est bien mieux. Est-ce qu'on voit bien mieux? Vous pouvez me concentrer et écouter? Eh bien, je vois une chose étrange. J'ai envie de t'en mettre une, mais ça sera vraiment juste par plaisir. Ah, attends, je l'ai... Ah, oui, attends. Ah, c'est lui, l'enculé. Et, mais il est où, du coup? On est où, nous? Ah, d'accord. Ok. D'accord, donc en fait, il faut qu'on passe lorsqu'il est retourné. Retourne-toi maintenant. Ok, d'accord. Là, c'est bon. Go! Fuck! Avance, Michetons! Je suis désolé. Il a une bonne vue, le bâtard. Ah oui, pour un zomblard, il a quand même des yeux d'aigle. Elle me suit, machine, ou pas? Viens ici. Tu veux pas le dire? Viens ici. Oh, je crois qu'il a vu ma copine. Oh putain, t'as eu du bol. Oh Micheline, t'as eu du bol. Ok, c'est bon. Ça, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Par contre, le prof qui se balade armé avec une étudiante en pleine nuit, c'est normal. Mec, tu sais très bien de quel genre de pays on parle. On parle quand même du pays qui a inventé... comment il s'appelle déjà le show là où les mecs ils doivent pas faire de bruit dans une librairie? Makoto Auto. Ok, il est tourné vers où là? Il est tourné vers là. On va essayer de faire... Attends, j'en suis où sur la carte là? On est juste là, d'accord. Donc en fait on est là en fait, on est à la tour de guet. Et il faut qu'on passe par là-bas, donc en fait il faut qu'on fasse tout le tour du village. Oh mec, ça va être champ max. Ok. Makoto! Auto! Ok, par là. Allez, viens, Micheline! On fonce! Laisse-moi t'aimer! Laisse-moi. Parce que lui, c'est plus un risque, mais je crois qu'il y en a. Oh, elle m'a fait peur! Elle m'a fait peur! Putain! Ok, et donc. Ah ouais! Donc le délire, c'est que. Je sais pas si vous avez vu, mais quand je l'ai. Par exemple, regarde. Si on regarde cette vision-là. Et que je fais triangle, bip, ça fait une petite lumière vers le haut. Donc maintenant, si je fais R2 et... Bah non, si je vais faire quoi? Du coup, je vais faire L1 et A, non? R1 plus A. Ta gueule. Tu penses pas que tu devrais fermer ta gueule parce que j'ai une arme? Oh. Ça marche pas? Attends, parce qu'il y en a un qui m'arrive devant et je suis pas sûr qui c'est. Oh. Ta gueule. Pense pas que tu devrais fermer ta gueule. Attends. C'est incroyable. Tu vois, elle est mal élevée comme tout, cette fille-là. Attends, lui, on l'a déjà pris. Parce qu'il y en a un autre. Il y en a un autre qui se balade, là. Ah, c'est lui, là. Attends. Je l'ai vu, là. Lui. Voilà. Attends. Reviens. Là. Voilà. Donc, du coup, en bas, normalement, si je fais R2... Enfin, L2. Ah non, pas du tout. Mais merde, ça marche comment ces conneries? C'est pas possible! Ah, t'as entendu comme il a parlé? Attends, ça me rappelle un truc! Bouge pas! Je sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez. Attends. Attends. Je sais pas si vous en souvenez de ça. Merde, c'est pas la bonne fenêtre que je capture. On a le temps de parler entre nous vite fait. Flèche droite. Non, c'est pas les flèches, en fait. Je crois que c'est les touches. Bouge pas. Voilà ça. Mais pourquoi j'ai pas d'image? Putain, évidemment, j'ai pas d'image. Attends. Vous connaissez ça?
Non, Slay, putain. Attends. Merci Slay. Merci beaucoup Slay. Mais attends, il y a un truc, il faut qu'on l'entende. Écoute. Macodonado. Attends, je vous laisse les autres, je vous laisse les autres. C'est des pubs japonaises de McDo, mec. C'est des vraies pubs japonaises pour McDo. Macdonaldo. Attends, la dernière mec, la dernière. Je crois que c'est la dernière pub. J'adore ce truc, mec. Ah mec. Macdonaldo. Est-ce que c'est pas complètement ouf? Avoue que c'est complètement dingue. Ils ont des couilles mais gigantesques les Japonais. Ok, allez, on avance. Bon, c'est pas tout comme ça par contre. Oh, qui ça? Quoi? Où ça? Dans... Ah, ah, c'est quoi? Ah, il y avait un truc. Ah, il fait une crise d'épilepsie. Couché, enculé. Putain, c'est pas possible, tiens. Ah, pourquoi il faisait de la tectonique? Attends, comment on recharge comme ça? Ok. C'est terrifiant. Alors toi aussi, mon gars, je te promets que tu vas en manger une. Ok. Macdonaldo. Remontez saut. Ah. Oula, qu'est-ce que c'est que ce délire? Il s'est mis en PLS, bah ouais, mais en même temps... Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Effrayant, n'est-ce pas? Oui, plutôt, ouais. Attends, j'ai trouvé une idole des jeunes, bouge pas. Oh putain, c'est quoi, c'est ça que j'ai trouvé? Idole trouvée au fond du puits? C'est pas une... Ah si, c'est une idole. L'histoire de l'enfant sur la planche à découper. Il était une fois un vieil homme qui trouva une tortue prise dans ses filets pendant qu'il pêchait dans la rivière. La voyant se débattre, il la prit en pitié et décida de la libérer. Pour le remercier, la tortue invita le vieil homme à un festin dets son palais au fond de la rivière. Parmi les nombreux mets délicats, il lui furent proposés se trouver un bébé servi sur une planche à découper. Le vieil homme ne put en manger. Quel pédé. En revanche, il dissimula le corps du bébé, le ramena chez lui et le déposa dans le puits. C'est dégueulasse. Attends, j'en ai une autre. Ah, du coup, c'est sa carte universitaire. Département d'anthropologie culturelle folklorique, faculté de lettres. Ah ouais, quand même. Je certifie par le présent document que la personne suspensionnée est employée dans cette décision, le président de l'université de Josuke. Josuke Chotaro. Ok. Bon, pour l'instant, on a un gun. Donc, ça va, mais je sens que ça va pas être tout le temps la quille dans le genre. Donc, et je sais pas s'ils peuvent pas se relever, les mecs. Oh, si casse-toi. Putain, mais casse-toi. Mais... Eh, je vais t'en mettre une. Ok. C'est rien. Putain, il y a encore l'enculé sur sa tour de guet, en plus, là. C'est pas grave, fonce, Micheline. Itsunade kokoni Macdonaldo. Ok. C'est bon, on est parti, là. Est-ce que c'est la fin? Impossible d'abandonner. J'ai perdu ou pas? Ah non, c'est bon. Oh là là, c'est bizarre parce qu'en fait, c'est drôlement calme. C'est très particulier comme ambiance parce que c'est calme. C'est incroyablement oppressant et il n'y a pas beaucoup de musique. C'est vraiment chelou et j'avoue que j'aime beaucoup. Mais c'est effrayant par contre. Jour 1, 7h du mat. Épisode vidéo? Kyoyasuda. Donc c'est le gamin du début, ça. Chapelle de la vallée d'Irazu, jour 1. Ce n'est pas un rêve.
Est-ce que je deviens fou ? Oh, j'adore ces doublages. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Nous ne pourrons rien faire sauf attendre ici que Maître Makino et les autres arrivent. Mec, il y a du pop sur son micro. Maître ? Nous ne pouvons qu'attendre que Maître Makino arrive au point final. Beaucoup, mais celui-ci est différent de ceux que j'ai déjà vus. Cela peut sembler étrange, mais c'est notre foi. Pourquoi t'es comme ça ? Oh, eh bien, je ne connais rien en matière de religion. Cela doit être un signe. Les étrangers comme toi ne possèdent pas la vision d'habitude. Ah bon ? Ils s'en bat les couilles ! Oh, petit chien ! Non, c'est un petit chien ou c'était une petite madame ? Je vais aller voir ce qui se passe. Non. Quand ils prennent les dégâts, ils sont stun seulement une à deux minutes. Bah ouais, je crois que c'est ça, ouais. Donc faut faire attention à ses munitions et pas les dépenser trop pour rien, mais putain, oh la vache, le stress, quoi. It's une donkoronie. J'étais vrai que quand j'avais vu cette pub là, c'est sur Culture Pub, un petit peu comme tout le monde je crois, et je l'avais vu le soir, ça m'avait terrifié mec. C'est sur Culture Pub parce que c'était juste avant le porno, il y avait des petits tétés après, mais je te promets que j'étais pas bien. Ah fuck. Oh I back. Il est chaud le gosse, bah je trouve un petit peu trop en fait. Ok, donc maintenant on joue un prêtre. J'espère, si c'est pas Néo, atteindre la route menant à Karuwari. Karuwari ! Se diriger. Oula ! Oula ! Ouh ! Ah, tiens ! L'émulation fait des siennes. Ça. Ah, mais du coup, je vois pas quand je me tourne vers là. Oh putain, il manque la moitié du monde. Attends, c'est pas grave, s'il manque la moitié du monde, ça veut dire que la moitié du monde peut pas me voir. Oh, ils ont des guns. C'est pas grave, on va faire avec. C'est rien, je peux prendre plusieurs balles. Non, je peux pas. Putain, il est encore plus fragile que le gamin du début, dis donc. Alors mon gars, je sais pas ça... Non, tu sais quoi? Non, c'est pas un bug. C'est juste que il est borgne. Et que depuis sa plus tendre enfance, il a toujours voulu faire du skateboard. Tiens, un bruit de chien lors d'une invasion zombie, je devrais sans doute aller voir, mais je sais même pas si c'est une invasion zombie ou si c'est un... Putain, il y en a partout en plus. Tu peux rusher, elle est courte cette map. Oh putain, on peut choper un mec qui bosse à bricomarché. Au fond à droite. Bah ouais, comme tout à l'heure en fait. Attends, si je regarde la map, faut se barrer. Attends, je commence là moi. Et faut se barrer. Ouais, c'est ça. Faut aller. En fait, faut monter et aller au fond à droite, ouais. Le problème, c'est qu'il a des guns, le mec. C'est la vallée dérangeante, c'est elle. It's him. Ah. J'ai été vu par une entité. Ça me stresse, ce voile gris, là. Ça y est. Non, me chope pas, non. Ah. Faut que j'évite de me faire choper, il paraît. Pourquoi t'es genre comme Bran et que t'as l'œil de corneille et que tu vois tout ce que les autres voient, je capte pas. Et bah les gens captent pas non plus, t'es couille. C'est ça qui est... C'est ça le truc du jeu en fait, c'est qu'il y a plein de gens qui arrivent bizarrement à voir ce que voient d'autres gens. Et ça fait partie, je pense, intégrante du bordel qui se passe. Ok. Aïe. Je me suis pris un mur. C'est rien. On passe autour. Ha. Missed me, faggot. Hop. On zigzag. Je vois pas de mon côté droit. Ah, comme ça. Je vois comme ça. C'est ici ? C'est pas ici. Je sais pas où je suis. Mais y a un mur, non ? Attends. Comment ? C'est pas par là ? Je me suis gouré ? Ah si, pourtant c'est par là. T'y es. Attends, parce que du coup j'ai un œil qui part en banane. Faudrait pas un genre de truc. Faut monter. Ouais. Ça. Crier. Non, j'ai pas envie de crier maintenant. Bah, j'ai envie, mais il vaut mieux pas en fait. Faut monter. Est-ce que je peux monter à la gouttière comme ça, genre à la Sam Fisher? Escalade comme le gamin. Mais escalader où ça là? Ah ça. Ah oui. Ah bah oui, on était là en fait. D'accord, ok. J'avais pas fait le rapprochement qu'on était exactement au même endroit en fait.
Et du coup, c'est là. Voilà. Merci, roi du Bayou. J'espère qu'on va pas avoir ce bug de truc tout le temps, parce que sinon... Si c'est le cas, j'essaierai de voir vite fait dans les options, si on peut changer des options et que ça marche. Mais sinon, je passerai directement à Fallout. Hein. On va faire comme ça. Fallout, Makoto, Auto, Miyako, Kanjiro. Chemin de coupe-chute. Oula. Elle ressemble vachement à l'actrice qui fait Gogo Yubari dans Kill Bill et qui joue du coup dans... Battle Royale, non ? Je trouve. Ouais, le chien est mort, mais... bah ok, bah t'arrasse au pire. Je suis désolé, mais nous devons y aller. Oh, petit bébé ! S'il se transforme en zombie, je coupe le jeu ! Badabing, badaboum ! Allez, ok, au moins on a des saves à chaque fois qu'on finit un truc, parce que putain, sinon je pourrais pas supporter. Ça fait trop d'émotions d'un coup. Battle Royale. Et Kill Bill, du coup. De toute façon, ils se ressemblent tous. Yes! Dub. Kyoya! Suda! Je le dis à chaque fois avec un vieillard de samouraï, c'est vraiment très raciste. Est-ce que ça va? Peux-tu marcher un peu plus lentement? Elle est aveugle? Que veux-tu dire? Je ne peux pas voir sans mon chien. Ah, c'est. Oh, tu es. Aveugle. Tes yeux. Aveugle! Non-voyante! Putain, mais... Tu as encore à faire. Oh. Tu sais bien que c'est impossible pour nous de continuer sans toi. De quoi? Ça ne prendra pas longtemps avant que quelqu'un fasse un voyage de l'autre côté. L'autre côté? Apparemment, tu as bien pris soin de ma sœur. Je te remercie. Ta sœur? Oh, oh putain! What? On y va! De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... J'ai rien compris! J'ai rien compris! Putain, qu'est-ce qui se passe, mec? Pourquoi elle l'a tabassé? Oh, merde! Putain, ça fait le même problème. Attends, ouais, non, il va falloir qu'il se détende, par contre. Attends, bouge pas, je vais tenter un truc. Peut-être que je peux essayer de faire quelque chose. On va essayer de régler le problème, mais si ça marche pas, c'est la merde. Mais il y a peut-être moyen quand même qu'on puisse. Normalement, il n'y a pas à relancer le jeu. Fais voir. Yes. C'est super. On va faire ça à chaud, hein, c'est pas grave. Fais voir avec... Ouais, mais en software, ça risque de pas bien marcher. Oh, bah écoute. Ça a l'air de plutôt bien passer. J'avais pas vu qu'il y avait une petite barre noire au-dessus, là. J'aime pas ça, moi. Attends. Blip. Voilà, impeccable. C'est bien mieux. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Alors. C'est bon, lui aussi, il a la Dark Vision. Machine, tu viens? C'est quoi ce bruit horrible? C'était quoi ce bruit horrible? Elle vise vachement bien pour une aveugle. Viens là. Joue comme Gilbert Montagnier, jouerait ce jeu. Sous le soleil des tropiques. Da 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 da, la musique. Yeah. On a toute la nuit pour s'aimer. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, ça va être un boulet, elle, mon gars, je le sens. L'émission d'escorte de ce jeu, quel plaisir. Ah bah ouais, j'ai l'impression que c'est principalement tout le jeu, d'ailleurs. Du coup, est-ce que je peux voir qu'elle voit rien? Je sais pas à quoi je m'attendais. Ok. Voyons voir. Je me moque, hein, mais je me moque pas tellement. J'ai beaucoup de respect pour les aveugles. Donc il y a que elle et il y a que l'autre, en fait. Il y a que elle et lui, hein. Et lui, il est dans un genre de petit abri de fortune. Hop. Tu viens, tu peux descendre toute seule ou il faut que je t'aide? Boulard, là. Tu descends? C'est bon, elle descend. Très bien. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'armes. Et le mec, il était où? Il était dans un genre de petit shack. Dans un shack Ilonil. Caché dans les buissons. Ok. Très bien. L'émission, dès que t'as un PNJ, c'est la merde. Bah, surtout qu'ils auraient pu nous choisir un PNJ. Tu vois, qui fait 2 mètres avec une M60 et 130 kilos.
Mais ils nous ont foutu une aveugle qui en fait 40. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On dirait une sorte d'épouvantail qui semble être revêtu d'une fourrure d'animal. Non. Non, c'est pas un épouvantail, ça c'est un... C'est, ça, c'est... Oh putain, j'ai eu des frissons en regardant ça là. C'est pas un épouvantail, c'est Satan ça. Hein. 100% elle ferme les yeux juste que quand tu vas sur sa vision, elle est pas aveugle. Ah la salope. Regarde-moi correctement. Quoi? Ah! Il faut que je la regarde! Pour qu'elle voit où aller! C'est ça? Non, c'est ça qu'elle est en train de me dire? Ah, oh, c'est ouf! J'espère que c'est ça. J'espère que j'ai bien compris. Oh, un tison! Comme Mike. Il y a un tisonnier enfoncé dans les cendres du feu de joie. Il pourrait faire une bonne arme. Yes. Un chinois de 2 mètres, à part si tu les empiles, je vois pas. Bah si, il y a le footballeur là. Le footballeur, le basketteur. Comment il s'appelle? Machin là. Comment on met des coups de poing? Comment je mets des beignes? Waouh! Faut pas se moquer. Faut pas se moquer, je sais. Mais c'est un petit peu rigolo quand même. Ok. Alors par contre, tu vas te calmer tout de suite. Marche lentement, imbécile, qui me dit. Elle est où? Micheline? C'est elle là-bas? Ouh, ça me fait des frissons de la voir dans la brume comme ça. Oh là 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 là. Ah, le cri de tortue chinique. Vous savez ce que j'ai fait là? Vous savez ce que j'ai fait là? Est-ce que vous savez ce que j'ai fait là? Est-ce que... Non mais vraiment, est-ce que vous savez ce que j'ai fait? Est-ce que vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait... Tiens, j'ai plus besoin de cette petite fenêtre. En fait si, parce que c'était la fenêtre de l'émulateur en fait. Putain de bordel de merde. C'est, je suis vraiment le dernier des cons quoi. C'est incroyable. Ah oh, putain, le bolos. Oh le bolos. Excusez-moi, je suis désolé. Je sais que c'est difficilement supportable, mais ce jeu contient des scènes de violence et de sang. Tout ce que j'aime. C'est bon, on va reprendre ça. La mission là a été facile, donc ça va. Projet Siren. Charge Party. Muteki no Koni. McDonald's. Bon, pour l'instant, vous préférez Forbidden Siren ou Curse of the Dead God? La grosse comparaison de pute. Ouais, c'est bon, je sais. Ok. Alors. Camoulox. Le livret de famille. Attends, peut-être que je livre le livret de famille. Ok. Donc ça marche toujours. J'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Elle m'a dit Robobine aussi que le jeu enregistrait pas les options que tu mettais, donc qu'il fallait le refaire à chaque fois. Est-ce que c'est exact? Non, c'est pas exact, donc ça va. Forbidden Siren pour Nanar, Curse pour le reste. D'accord, ok. Non, le point d'exclamation Curse ne marche pas parce qu'il marche uniquement quand on joue à Curse of the Dead God. Ah, j'ai bien fait mon boulot, je suis pas fou, hein. Ok. Ta gueule. Attends. C'était quoi ce bruit? Et j'ai entendu un truc qui a... C'est en jeu? Putain, c'est effrayant. Alors attends, il est où? Attends, il existe plus? Ah! Il y a elle déjà là, elle est où? Putain, mais elle bouge cette conne ou quoi? C'est incroyable! Ah ah! Je suis désolé si ça fait un petit peu peur. Ok. Pour l'instant, je crois qu'on peut pas voir l'autre. C'est pas dans le jeu, mais j'ai entendu un gros. Mais je crois que c'est mon connard de voisin du dessus. Putain, et toi, je peux te mettre une beigne? Tu viens ou quoi là? Marche lentement, imbécile! Je peux lui hurler dans la gueule? Ah! Tiens, sale connasse! Je suis vraiment fasciné par la technologie des visages des personnages. Je trouve ça vraiment ouf.
c'est super inventif en fait. On a tout repris. Quand je dis on, c'est. Non, c'est bon, ça, sympa. Putain, j'ai eu peur. Tu vois le truc tout en haut là, je crois que c'était un mec qui nous observait, mais non, c'est juste un sapin. Oui, bah je te regarde. Benoît, tourne-toi. Et allez, prends ce tison. Je croyais qu'on disait un tison et pas un tisonnier. Est-ce que je me gourde depuis 27 ans exactement? Franchir avec le tour d'acier, ok. Allez, c'est y part. Tu viens, Micheline? Hey! Hey! Je suis fan de ce truc. C'est qu'il met juste vraiment un tout petit coup, quoi. Hey! C'est adorable. Arrête, non. Ok, c'est, en plus, vu que c'est clairement pas le même doubleur, je trouve ça vraiment adorable. Tison, morceau de bois brûlé en partie, encore en ignition, sorte d'allumette dont l'ignition résiste au vent. Ah! Regarde-moi correctement. Oui, ça va, je te regarde. Putain, c'est. Qu'est-ce qu'il fait, cette énorme conne? Est-ce qu'elle prend le passage pour handicapé là? T'es vraiment une grosse flemmarde. Ok. Le cadenas est rouillé et pourri, il semble qu'on pourrait facilement le faire sauter. Ok, se diriger vers la zone Tabori avec Miyako. Elle me suit toujours, ok. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est une shrine. Nous on n'a pas ça en France, des shrines. Est-ce qu'on est des putains de blasphémateurs? Oh la vache. Alors, ah, il y a un mec qui bêche. Il y a elle qui est aveugle. Il y a que le mec qui bêche pour l'instant. Et attends. Descends, Michelons. Voilà. Attends, il est où le mec qui bêche? On va le voir. Oh! Bah il m'a vu je crois en fait. Ah c'est quoi? Ah c'est quoi qui arrive? Pourquoi non? C'est un mec avec une faucille. Putain, on dirait Iggy Pop. Il y a Iggy Pop qui veut venir me tabasser. Ah! T'es sûr de ce que tu annonces? Oh putain, attends, je vais le choper. Je vais le choper, attention, on bouge pas. C'est plus ou moins Metal Gear Rising en fait, quelque part. Tu viens, Micheline? Viens! Viens vite, par contre, parce que sinon on va se faire tailler la gueule. Viens là, voilà, viens, vite, parce qu'il va se réveiller. Ça, en plus, c'est ultra stressant de savoir qu'ils peuvent se réveiller. C'est vraiment ultra stressant, mec. C'est le truc le plus stressant de l'histoire. Juste après le Veldiv. Un véritable samouraï, mon ref. Ah, oh, merde. Goal! Qui c'est qui m'a vu? Quelqu'un qui m'a vu? Elle est où, elle? Putain, mais descends! Y'a pas quoi faire! Mais j'en sais rien, descends! Il est où? Ah, il est là. Oh putain, il est rapide! Ah! Non, il m'a chopé! Ah ouais! Oh la vache! Aïe, aïe, aïe! Ah! Non! Ah. Bah. Mais elle m'a juste délicatement serré la gorge! Elle m'a juste délicatement serré le kiki, comment ça se fait que je suis mort? T'as la vision de l'ennemi au pire pour le repérer, ouais, mais t'as vu le temps que ça prend de trouver un ennemi, mec? Attends, je me tape l'intégralité du bouquet Canal Plus avant de pouvoir voir qui m'attaque. Ok. Voyons voir. Prenons un peu plus notre temps. Donc lui, c'est celui qui a la faucille. Ensuite, on en a un autre, je crois. Lui, là. Lui. Voilà, lui. Qui est je sais pas où. Et on a par la suite, elle, qui est aveugle, donc complètement inutile. Lui, c'est le premier qui nous a attaqué tout à l'heure. Et y a plus le mec qui joue de la bêche, là? Non, j'ai l'impression qu'il y a plus personne qui joue de la bêche. Quoi, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai d'avancer, espèce de connasse, qu'est-ce que tu crois que je fais? Viens!
Et tu viens? Oh, le boulet! Allez. Alors. Ah, c'est où j'avais mis? Ok, c'est lui. Garde la bêche. Il me voit là ou pas? C'est terrifiant, mec. C'est terrifiant de faire ça. C'est P2O. Garde la bêche. Je la mangerai au goûter. Garde ma sèche. Oh, tu manges pas ton poisson? Boulet Loubi, il mange pas son poisson. Ok. Ça très bien. Maintenant, je n'avais pris un autre. Lui, il est en train de glander plus plus. Ok, on peut avancer, je pense. Je pense que c'est safe. Oh. Merde, il se retourne vers moi, il va se retourner vers moi. Il va me voir. Oh putain, je suis pas du tout caché là. Quoi? Non, t'inquiète. On va faire comme tout à l'heure, on va l'attendre, on va l'enculer, Iggy Pop là. Tu vois, vas-y, viens. Allez, lève-toi là. Lève-toi et chemar. Elle est meuf, elle le coffe dans les RER. C'est le gouffre de Helm, poteau, ils passeront pas. Non, pas Saran. Tac. Vas-y, viens avec ton petit coupe zizi là, t'inquiète pas. Ton petit circonciseur. Tac. T'es mort? Non, t'es pas mort. Une dernière. Tac. Voilà, impeccable. Allez, viens, Micheline. On se casse. On vient de l'éclater. Il est pas mort, là? Merde. C'est bon. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Un monument en bois. Non, c'est pas ça que je veux voir, c'est lui, là. Oh, c'est bon, on s'en fout. On avance. Alors attends, parce qu'on est où là? On a commencé où là? On a commencé là, donc on est en train de descendre les rizières successives. C'est le nom de mon prochain album d'ailleurs, les rizières successives. Et faut que je me casse partout là-bas, ok. Donc il va falloir qu'on serre vers la droite en fait. Allez viens, on se casse. Elle va encore mettre 8 ans à me suivre, c'est ça? En plus il fait même pas vraiment nuit, on peut vraiment pas, même pas vraiment se cacher, c'est-à-dire que les ennemis s'ils te voient, t'es niqué quoi. Oh là là, il est là-bas, ok. C'est pas grave, il nous verra pas. Il a pas un super champ de vision. Oh là 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 là, attends. Ok, c'est bon. Y'a qui dans le coin là? Ok, y'a Michel qui est en train de rebosser sur sa clôture. Et y'a un autre qui se balade en face là. Attends. Oh l'horreur. Il a un petit pic, il a un petit bout de bois avec des pics. Ok. Attends, parce qu'il y en avait un avec un fusil tout à l'heure, non? J'ai cru en voir un avec un fusil, mec. Il y a encore lui qui fait de la bêche, là. Ok, oh là là là. Donc, faut traverser juste la petite rivière de sang, là, mais sinon, ça va. La rivière de sang, c'est ce qu'on voit en gris, là. Le long machin bleu au milieu. Je sais pas si c'est le jeu ou les doublages le plus terrifiant. Quoi? Mais tu vas arrêter de me casser les couilles, toi, mais c'est incroyable, ça. Et donc, du coup, est-ce que tu crois... Mais non, je suis pas là. Je suis où, moi? Je sais pas où je suis, c'est pas grave. Direction... Attends. Moi, je vous regarde par là. Oui, bah c'est ça. Si, c'est ça. Si, c'est bon, c'est ce que je vois, là. Ok. Alors, voyons voir. On va se balader un petit peu par là, histoire d'être sûr qu'on loupe rien d'intérêt. On va monter l'escalier. Les deux sont aussi terrifiants l'un que l'autre à leur manière. Ah bah oui, non, mais c'est ça, carrément. Ça, je peux te dire que je suis en train de me cailler. Donc, on est là, ok. Bah non, on n'est pas là. Putain, mais mec, vous pouvez pas faire des cartes normales. Moi, je peux pas survivre avec des cartes comme ça, moi. Hein. Non, mais si, en fait, c'est ça. On est juste à côté, en fait. Parce que la carte donne l'impression que c'est super grand. Mais j'ai pas l'impression que ce soit si grand que ça, en fait, la map. C'est quoi que j'ai entendu? J'ai entendu un truc qui m'a pas plu, là. Ça va, putain, mais... Oh, merde. En plus, elle bouge pas, elle, là. Elle fait que glander. Ah, alors lui, il est vraiment pas content. Il y en a un, sa condition agraire, comment de tertiaire, consommation tertiaire ne lui plaît pas du tout. Tu viens? Eh, franchement, on va vraiment finir par mal s'entendre. En plus, t'as une croix bleue quand tu me regardes normalement, alors ça va, fais pas la chiante. La rivière rouge du cul, yes. La fameuse, mon film préféré des années 70. C'est bon, elle est là? C'est juste ça? C'est juste ici? Dis-moi que c'est juste là, on dirait la porte arrière de l'église, mais elle est solidement verrouillée. On est où là? Ok, donc on est là. Ok, c'est bon, c'est juste là.
Il faut juste qu'on passe par là. Ensuite à gauche. Et on est... Non, non, c'est pas la peine. Viens vite, viens vite. Machine, viens. Oh là là, le boulet. Oh le boulet. Et j'espère qu'on sera sorti assez vite d'avec elle parce qu'elle est chiante. Hein. C'est bon, tu viens? Allez, cassons-nous. Merde. Oh merde. Allez. Oh putain, il m'a défoncé. Viens, on est vite. Oh non, 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 pas maintenant. Pas maintenant. Not now, not now. Non. Putain, mais elle me chie. Ah les combats, mec. Ah les combats. Ah mec. Ah c'est insupportable. Iggy Pop Returns. Mais ouais, mais c'est même pas Iggy Pop, c'était un autre enculé. Si, c'était Iggy Pop. Non, j'ai cru que c'était une mamie, moi. Je me suis fait buter par une mamie. Ok. Bon, hé, on speedrun cette fois-ci, c'est bon. Attends, viens toi, là. Putain, elle est trop loin. Mais on peut la voir. Mec. Allez, viens. Tu viens? Voilà. Ok. Putain, et ça servait à quoi du coup qu'on chope notre arme tout à l'heure là, si elle sert vraiment à que dalle? Ah, le temps que ça met pour latter, mon gars. Allez, viens. Allez, viens, Iggy. Qu'on discute un petit peu, toi et moi. Là. Je vais le chain stomp. Tu vas voir, il va rien pouvoir faire. Ah là. Bim. 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 Voilà. Et on se casse. Taillot, taillot. La grand-minche, elle a le sang chaud. La grand-minche. C'est marrant comme expression, ça. La mamiche. Et hop, on se tasse. On se tasse les vertèbres. Tu me suis, hein. Tu fais pas la pute. T'es où? Allez, viens. Putain. Ah, c'est un pétain, un câble. Attends, je peux pas inverser... Inverser, ah voilà, inversion des commandes, inverser, bah non, normal. Pourquoi ils mettent en inversé tout le temps? Je comprends pas, c'est... catastrophique, voilà, impeccable. Tu viens, Micheline? T'es là? T'es là, c'est bon. T'as, faut que je regarde derrière mon épaule à chaque fois pour éviter qu'elle se paume, cette grosse cruche, là. Ok, oh! Non, non, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. On a rien vu. Tu viens? Viens, non, c'est bon, c'est rien, elle est juste là, là. Est-ce que je peux faire... Putain, je crois que je suis en train de me faire voir par tous les zombies du monde. Oh là 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 là. J'espère qu'elle me suit, la grosse conne, parce que là, ça va être compliqué. Hein. Ok. Elle me suit ou pas? Je crois qu'elle me suit de que dalle. Oh là 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 là, le boulet. Ah, c'est bon. Putain, elle m'a fait peur. Ok. Mec, il y a tout qui commence à me faire flipper et tout, qui me rend parano. Déjà que mon ampoule, elle a pété à côté, donc je suis dans un genre de noir partiel. Un peu comme Michael Jackson. Ok. Allez, on y va tranquillos, tranquillos cette fois-ci, d'accord? On fait pas les... Hein? Bon. Quoi? Est-ce qu'il est en train de se faire marave? Ah oui, putain, merde! Mais c'est chiant ce truc là, je peux rien faire en fait. Quand ils ont décidé de me choper, je peux rien faire. Oh mec. Allez, dernier. Voilà, voilà, Manon. Oh putain mec. Mec, c'est un des combats les plus aggravants que j'ai jamais vu de ma vie quoi. Oh la vache, donc faut vraiment s'infiltrer, mais mec, c'est au-delà de hardcore, mec. C'est vraiment vénère de ouf. Je préfère me râper les couilles avec du sang bon que continuer à me faire éclater par des grands minges comme ça. Elle peut pas t'aider, l'autre figurante. Mais non, elle est aveugle. Qu'est-ce que tu veux qu'elle foute? Alors attends. C'est quoi? On va essayer de voir le jeu The Way It's Meant to Be Played. Attends, déjà on voit que dalle. Ah la putain de sa mère. Putain, il m'a vu. C'est pareil, ça c'est extrêmement super long et extrêmement super chiant d'avoir une vision d'ennemi en fait. Ça demande beaucoup trop de temps et de précision pour trouver un ennemi. Donc ça vaut pas le coup en fait en partie. Sinon tu passes un quart d'heure à trouver une vision d'ennemi et enfin... Est-ce que c'est vraiment nécessaire, quoi?
Allez, tac, 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 tac. Voilà. Impeccable. Tu viens, Micheline. Viens là. Voilà. Allez, on y va, doucely. Tac. Est-ce qu'on peut voir quelque chose là? Yes. Donc on a lui avec la bêche. Ok, on a lui qui est en haut. Ça, c'est elle qui voit Kyode. Ah, lui, on l'a pas vu tout à l'heure non plus. Et il a un gun en plus. Je crois que c'est lui qui a un gun. Que j'ai vu tout à l'heure. Ok. D'accord, donc pour l'instant, on peut y aller relativement tranquille. Faut juste qu'on fasse gaffe. Quoi, qu'est-ce que je fais? Je t'emmerde. Voilà ce que je fais. Viens, suis. Viens. Allez, chinoise. Allez, là, Hikikomori, là, avec ses beaux souliers, là. Mais qu'est-ce qui est fou? Allez, mais descends. Oh mec, ça va me rendre furieux. D'ailleurs, lundi, ça vous dit on finit GTA Vice City? Est-ce que vous seriez OP pour finir GTA Vice City lundi? J'espère que oui. Donc lui, il est près de la bagnole. Et lui, il voit rien. Allez, ok, bon, c'est cool alors. Parce que je comptais le faire, donc si vous étiez pas d'accord, ça m'aurait fait chier, tu vois. Ok. Alors on y va tranquille. Plus qu'OP, mon scrub. Je vais vous présenter tous mes scrubs. Ok. On va y aller. Tranquiloche. C'est quoi que j'ai entendu là? J'ai entendu un genre de bruit mortifère. Mortifère de ventre à terre. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Putain, ça te dirait pas d'arrêter d'être aveugle? S'il te plaît. Quoi? Ah, on le voit là-bas. Attends, c'est lequel du coup? C'est celui-là, là. Je crois que c'est celui-là qu'on voit là-bas. Mais lui, c'est bon, il se retourne quasiment jamais, donc... Enfin, je crois qu'il se retourne pas. On le voit tout à gauche, là. Avec son chapeau en train de glander. C'est elle qui nous a niqué tout à l'heure. C'est elle qui est venue nous taper quand j'ai gueulé, en fait. J'ai fait... Et en fait, elle nous a chopé à cause de ça. Donc, c'est peut-être un petit peu ma faute. Marche. Voilà, marche. C'est mieux. Voilà, on va marcher. C'est marrant, je n'entends plus de l'oreille gauche. C'est vrai? Bah non, pourtant, je parle en stéréo. Ah, ça vient de toi. Ok, d'accord. J'ai vérifié quand même mon input, mais non, je suis bien en stéréo, donc... Ah, d'accord, c'est parce que t'es malade. Merde. Ça, c'est dommage. Peut-être que t'as perdu l'usage de ton oreille gauche, hein. Après, tu t'en fous, t'entends jamais vraiment rien de très important de l'oreille gauche. À un moment, il est en train de se taper l'otite de ses beaux jours. Où est-ce qu'il est, lui, là? L'autre, il est en train de bêcher de la merde encore. Je pense qu'on peut passer tranquille. Oh putain, attends. Non, lui, il était intéressant, lui. Voilà, lui, il est intéressant. Parce que. Ah, il est en train d'avoir un genre de semi-érection, je pense. Où est-ce qu'il est, là? J'arrive pas bien à voir où il est. Est-ce qu'il est sur la route qu'on s'apprête à emprunter? Ouais, c'est ça. Il est sur la route qu'on est juste sur le point d'emprunter, en fait. Il faudrait attendre qu'il se retourne. Si t'as l'impression qu'on te fout une aiguille dans l'oreille et qu'on trifouille, bah c'est une otite. Ah. Une bonne soirée, ça. Ok, on va avancer doucement, quitte à se planquer derrière le camion, là. Et dis-moi, ça te dirait pas d'essayer de te barrer, en fait? Attends, parce qu'il est près de quel camion? Il est près du camion bleu, c'est bien ça, je me suis pas gouré. Oh putain, il s'approche. Recule. Ah, c'est terrifiant, je suis désolé, ça me met vraiment mal à l'aise. Enfin, je suis désolé, non, pas du tout, mais... Si jamais le jeu, il nous gonfle trop, j'ai un autre truc à vous montrer après. Dac. Ok, là, il nous verra jamais. Vous connaissez Faith?
Bah c'est ça l'autre truc, Tetraco, il s'appelle Faith. C'est un jeu d'horreur un peu rétro. C'est un point and click et ça a l'air vraiment super créatif. Donc j'ai vraiment envie de voir ce que c'est. Attends, bouge pas. On est où là? On est près de la... du camion de carburant, c'est ça? Et il faut bien passer le camion de carburant pour continuer. Mais il est de l'autre côté ou quoi? Ah, il est de l'autre côté du camion. Oui, c'est le truc des New Bloods, Momo. Faith. Mais je crois que j'ai que l'épisode 1 et la démo des deux autres. Donc j'espère que je pourrai quand même faire quelque chose. Oh putain, comment je vais passer ici, moi? Comment que je vais faire? Ça, parce qu'en fait, si je réussis pas ce passage-là, ça veut dire que ça a commencé à me gonfler. Donc je pense que je vais changer de jeu. on verra bien comment ça se passe. Oh putain, elle se rapproche dangereusement, là. Ta gueule. Ah, elle est terrifiante. Ah là là. Ah, mec. Ok. J'ai vu comment le mec avait fait les animations, c'est stylé de ouf. Ouais, c'est les animations un peu rotoscopées à l'ancienne. Et je trouve ça vraiment sympa, ouais. Oh. Oh. Oh là là. C'est Lilou. Mon bébé, tu es si doux. Oh, cours, Micheline, cours, Micheline. C'est bon. Oh, je me suis chié dessus. Attends, on mate l'autre mission et on voit si on fait du Faith après, d'accord? Parce que là, pour l'instant, si tout le jeu, c'est des bastons chiantes, du carry de NPC, etc., je pense que, ouais, je vais passer à Faith assez vite. Ah, Akira Shimura, c'est parti, mec. Mon Gojaku, chemin Mizume. Jour 1. Putain, ça me gratte le pif, mec. Vas-y, je vais me faire un thé. Franchement, tête haut. Quelque chose dans l'air. Oh, ça m'étonnerait, ça, mec. Quelque chose. Dis voilà. Voilà, sur la Torah, il y a quelque chose dans l'air. Ah, c'est tout. Ah, ouais, c'est un devin, le mec. C'est Sulfurix. Vous pensez que le sérum. Vous pensez que le sérum physiologique, ça peut se foutre dans les oreilles? C'est pas fait pour. Oh, mec. Oh, il est super stylé, mec. On joue un genre de Samuel Jackson, mais chinois. Enfin, non, je veux dire un Morgan Freeman, pas Samuel Jackson. Regarde, on dirait Morgan Freeman. Oh putain, oh là là, qu'est-ce que c'est? Ah, qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai jamais vu un physique aussi chiant à utiliser. Attends. Samuel Guyenne. Samuel Park. Une boîte de commande, la porte est solidement fermée et ne s'ouvre pas. Bah tiens, ça. Ah! Quoi? Ouh! Oh putain, c'est un gunfight en plus ici! Oh! Mec, c'est la baston de MGS3 contre The End! Poteau! Sérum Fi, c'est ni plus ni moins que de l'eau à pH neutre. Ça se boit ou quoi? Allez, d'un outil! T'inquiète que j'ai un outil, poteau, tu vas voir. Si elle saute pas, la salope. Bouge pas. Tac. Merde, j'ai loupé. Merde, attends, bouge pas. Tac. Ah, salope. Tac. Oh, ça passera pas. Ok. Ça va être un combat d'endurance. Ça peut faire de mal, mais ça va rien désinfecter. Mais ça se boit, le sérum physiologique, ou pas? Si un jour, genre, j'ai vraiment très soif. Et que... Ouais, ça se boit, mais c'est déminéralisé normalement. Du coup, si tu vois, bah, tu peux crever. Et je comprends pas pourquoi... Il y a un truc qu'il faut m'expliquer, tu vois. Je suis taureau, moi. Je suis un artiste. Alors, pourquoi boire de l'eau quand il n'y a pas de cailloux dedans? Ça fait que tu crèves. Je comprends pas. Ça m'a toujours étonné. Genre, même quand notre prof de chimie nous disait « Buvez pas l'eau déminéralisée », c'est le premier truc que je voulais faire. Et j'ai jamais compris pourquoi on claquait, parce qu'il n'y a pas de minéraux dedans, en fait. De l'eau, c'est de l'eau, non? Je sais pas. Faudrait m'expliquer calmement et avec des mots simples. T'as aucun apport. Ouais, mais aucun apport, ça veut pas dire non plus qu'on te vire tout, non? Entre aucun apport et ça va te buter, je trouve qu'il y a quand même un genre de dissonance.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait bleu. Oh! Qui c'est qui m'a buté? Ah, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends. Oh, 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 il y a un truc derrière moi, non? Il y a un truc derrière, je crois qu'il y a un truc derrière moi. Oh, 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 oh putain, il monte là. Oh, non, non, non. Bam. Oh, putain de sa mère. Ça passera avec le temps. Tac. Vache le vieux badass. Recharge-moi ça, poteau. On va recharger avant de se faire niquer. C'est un Mosin Nagant qu'il a ou c'est un... Tu vois, on dirait un genre de Liam Field. Ça va te tuer tout de suite. Ça va te tuer tout de suite. Putain, mais c'est quoi ce bordel avec l'eau déminéralisée, poteau? Donc attends, nous on est là, il faut qu'on se barre. Il faut qu'on se barre. Attends, le début, c'est là. Vers... Il a un sacré... Donc il faut qu'on se barre par le là-bas, en fait. C'est juste que si tu bois ça, c'est comme si tu mangeais de l'air. C'est pas ouf. Ouais, mais ça te tue pas. Donc je veux bien comprendre que si tu bois que de l'eau déminéralisée ou du sérum Phi, ça va, ça au bout d'un moment, oui, t'as pas d'apport, donc ça peut-être te faire des carences. Mais tu, c'est pas du poison. On est d'accord. Si je bois genre un verre plein d'eau déminéralisée, ça va pas me tuer sur le coup. On est d'accord. Non, c'est pas du poison, d'accord. Mais non, mais je sais pas, tout le monde a l'air ultra vénère quand il s'agit de l'eau déminéralisée. Mon gars, quand t'écoutais mon prof de science, c'était comme si t'allais claquer sur le coup, quoi. Genre, tu buvais de l'acide chlorhydrique. Après, t'es un peu con, monsieur Lebert, mais il était gentil. Il était con, mais gentil, quoi. Oh là là, mec, c'est quoi? Ils ont un peloton d'exécution ou quoi? Ah, ok, il m'attendait juste au bout. À travers le fog, ok. Ouais, il y a un sniper, ouais. Boss, that's an enemy sniper. Bon, je pense que c'est pas pour WAM, en tout cas celui-là. J'ai l'impression que le deuxième était quand même mieux foutu, même si c'était plus ou moins dans le même genre. Le deuxième a l'air quand même... Ah, fallait trouver un outil en plus, fallait pas se barrer, alors je sais pas trop ce que je tentais. Je pense que le deuxième Forbidden Siren est quand même mieux foutu, et que le premier c'est trop... trop rigide pour WAM, je suis pas assez hardcore, je pense, pour ça. Ouais. Check Messenger quand tu switches le jeu. Attends, tu sais quoi, je vais check Messenger maintenant. Voir si tu m'as envoyé quelque chose. Ah, nice. Ah, carrément. Bah écoute, je me penche sur ça tout à l'heure, Momo. Mec. Il m'a envoyé une photo de son sgeg. Et du coup, on verra tout à l'heure. Ah, putain, mes genoux. C'est où la cabane sirène? Il y a un mec juste à côté de moi, mec. C'est quoi la cabane de la sirène? C'est où? C'est par labo. Donc c'est juste en face de WAM, en fait. Non, c'est juste... Si, c'est ça. C'est par là-bas. Ouh! Aïe, 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 aïe! Arrêtez, vous tapez pas, hein! Non, venez, on serait des copains! ouvre! Haha! Ferme! Tiens, nique ta mère! Est-ce que je peux fermer à clé? Non, je peux pas. Ton eau déminéralisée a une concentration très basse. Tes cellules en ont une moyenne. Si tu bois que ça, l'eau rentre dans tes cellules pour équilibrer interne externe. Les cellules gonflent et éclatent. Si trop de cellules éclatent, les organes marchent plus. Bon, ça va. Franchement, ça va, c'est pas trop un problème. Prends les cisailles, espèce de gros trou de balle. Ramasse. L'autre, en plus, avec son marteau, il est en train de péter un plomb à côté. Ah, fuck. Hop. Là. Attends, je vais déclencher la sirène, tiens. Ah, donc en fait, quand ils disent cabane de la sirène, ça n'a rien à voir avec les créatures mythologiques, en fait. C'est une vraie sirène de Silent Hill. Détresse des tirs, oh fuck! Ouh, je suis en train de me faire tabasser! Ah, mais vous avez pas tabassé un vieil homme quand même! Ouh, ah bah si! Ouais! Bon, allez, je pense qu'on va passer à Faith. Parce que définitivement, Forbidden Siren 1, ça, c'est pas pour WAM. C'est trop rigide pour moi. Je comprends que ça puisse plaire à des gens, mais ça me plaît pas à moi, quoi. Ça me plaît pas à moi du tout. Est-ce que tu penses que quand même je peux lui foutre une balle à l'autre sniper qui m'a saoulé tout à l'heure? Attends, vas-y, fort.
Ça, c'est uniquement pour la bienséance, d'accord ? Forbidden Siren 1, ça suce des couilles. Mais c'est con parce que je trouve que le jeu, il est vraiment super. Il y a un autre jeu, mec, que j'ai envie de vous streamer. Je pense que je le ferai un lundi dans pas longtemps. Peut-être après Vice City. Lundi prochain, tu vois. Ah, putain, en plus, c'est impossible de viser avec cette saloperie. Bah non, mais c'est, mec, c'est insupportable. Est-ce que vous connaissez... Comment ça s'appelle? Attends, comment ça s'appelle déjà? Bouge pas, il faut que je coupe ça pour aller voir dans machin. Non, mais ça vient du gameplay en soi, Spider. Ça vient pas des contrôles, les contrôles vont très bien. Urban Chaos. Vous connaissez Urban Chaos, violence urbaine? Parce que ça, je pense que je vous montrerai lundi. J'ai plein de jeux à vous montrer. J'ai le jeu Berserk sur PS2. Celui... Oh oui, putain. Ouais, il est cool. Ok. Ouais, j'ai Berserk, les dents de la mer, le parrain, Gungrave, Shadow of Rome, Robot Alchemic Drive, qu'il faut vraiment que je vous montre. Et Urban Chaos. Et je pense que je vous montrerai lundi Urban Chaos dès qu'on aura fini Vice City. Et du coup, je pourrais m'attaquer peut-être directement le mercredi. Je pense que j'essaierai de streamer lundi, mercredi, vendredi. Et du coup, samedi aussi. Siren Blood Curse. Non, mais Blood Curse, justement, c'est ce que disait que Robobin me disait que c'était vraiment de la merde pour le coup. Qui était insupportable. Mais bref, pour l'instant, on va s'en sortir dans Faith. Donc ouais, Forbidden Siren, je vous conseille quand même d'essayer de l'émuler pour voir si vous pouvez vous en sortir mieux que moi. C'est peut-être pas far-fetched de se dire que vous allez peut-être réussir plus facilement à vous diriger que moi dans ce jeu-là. Mais essayez quand même, ça coûte rien. Et écoutez, vous faites un truc sur Home Station, gratos, mec. J'ai proposé Urban Chaos, on l'a fait en fait... à Doom et moi, il y a très longtemps quand il était venu et que j'habitais à Rennes, on l'a fait en un sitting, Urban Chaos, et c'était vraiment, pour le coup, c'était vraiment de la violence gratuite, c'était super. Tu te balades en ville avec ton bouclier tactique, ton gun, t'éclates tout et tout, et je sais pas si je préfère pas Urban Chaos à Black quand même, franchement. Donc, je vous montrerai lundi, si je m'en souviens, et du coup, quand on aura fini Vice City, je pourrai directement, justement, le mercredi, faire du GTA 4. Je pourrais commencer GTA 4 et j'essaierai aussi de vous caler à un moment Sniper Ghost Warrior 3. Donc ouais, il est bien plus arcade que Black. Et Black, c'est pas la simu, mec. Hein. Mais oui, Urban Chaos, c'est bien plus vénère que Black. Et mais il y a une atmosphère dans Urban Chaos qui est vraiment genre... T'es un keuf badass et tu éclates, tout le monde est un criminel. Ce serait le jeu parfait Judge Dredd, quoi. C'est vraiment du Judge Dredd-like. C'est pas vraiment comparable non plus, mais c'est vrai que je trouve quand même Urban Chaos plus fun. Mais bon, écoute, ça ne concerne que moi. Bref, je vais lancer Faith, les copains. Je reviens dans quelques secondes. Et du coup, à tout de suite. Pour Forbidden Siren, on continuera Forbidden Siren 2 avec Adwim. Mais je pense que Forbidden Siren 1, ça restera juste un one-shot. D'accord ? Parce que ouais, c'est trop compliqué pour moi, je pense. Et je m'amuse pas assez dessus. Donc allez, à tout de suite les gars.